pour moi venir témoigner le fait que bon Dieu fait jodi hein moi capable maman moi capable kembe yon bébé ça qui était impossible pour l'homme de capable dire c'est possible pour mon Dieu moi venir dire bon Dieu merci parce que moi marié en 2017 moi marié 25 décembre 2017 à chaque fois m'enceinte moi fait ça et les œufs clairs. Œuf clair là, c'est le que ou enceinte, ou gagne toute signe sympathique de grossesse. Ou fait test de grossesse, les positif. Ou fait la urine, les positif. Ou fait bêta CG dans le sang, donc les positif. Mais le que ou allez dans le médecin, ou bien entendu, ou fait sonographie pour vous. Et puis vous regardez, ou placenta, il est formé. Mais en de placenta, il est vide. Pas de bébé là-dedans. Le ça, il est un œuf clair. À ce moment, on va commencer à partir de 7-10 semaines de grossesse, on va commencer à avoir un saignement, on va saigner jusqu'à ce que vous expulsez la placenta. Donc c'est comme ça moi-même, chaque fois que je suis enceinte, c'est toujours le même scénario. Le mois allé, dès qu'on a fait suivi normalement, quand le médecin, le mois allé, je pose le docteur qui se bat, parce que c'est médecin moyen, je fais recherche sur œuf clair, qui est-ce qui cause une fille. PD fait œuf clair, il y a que cause yo inconnu. Il y a pas vraiment pas gain étude qui prouve exactement qui ça qui capable à la base de œuf clair. Histoire pas maintenant, moi t'ai gagné deux œufs clairs que me fait déjà. Et puis moi t'ai bien fait suivi médical normalement, car yon fertiliste. Mais depuis 2007, moi rencontré avec l'Évangile Porte Étroite. Moi, je viens de rencontrer avec Pasteur Amel de façon directe, c'est en 2016. Tout le mois avec Pasteur Amel, je me suis vraiment collé sur Pasteur Amel. En quelque sorte, en tant que papa, pour moi, raconter comment que la situation est difficile pour moi. Mais pendant toutes deux œufs clairs, c'était dans la même situation. Ça. Et puis après, dans le moment que je commençais à rapprocher de Pasteur Amel, et puis m'a expliqué dans quelle situation que moi y est. Et puis pasteur Amel vient prendre dossier en charge. Et puis il commence à la prière, à mener combat avec moi. Avec Marie, moi-même, avec Marie. Mais il dit, bon, nous l'hôpital, nous allons à l'hôpital. Pour bien dire, pasteur Rafa, moi c'est médecin. Même plus qu'on a bon Dieu que la médecine. Parce que c'est bon Dieu qui baille petit. Si c'est pas de bon Dieu que tu es baille petit, nous avons plusieurs petites déjà. Et puis pasteur Amel a mené combat. Nous faisons suivi médical, nous faisons tout examen. Dernier bilan que nous faisons avec Marie-moi, nous déterminons que Marie est bien fertile. Nous faisons un spermogramme, 70% de spermatozoïdes n'est pas bon. Nous référons à l'autre médecin. Parce que normalement, lorsque nous faisons un spermogramme, nous avons supposé gagner 90 à 95% de spermatozoïdes qui sont normal. Parce que les spermatozoïdes, ils ont déterminé la normalité en fonction de la mobilité, la rapidité des spermatozoïdes, en fonction de la quantité de spermatozoïdes. Parce que la quantité normale, elle varie entre 60 à 120 millions de spermatozoïdes qui sont supposé un garçon a supposé gagner pour fertile. Donc, en dessous de 60 millions, on est capable d'infertile. Mais à partir de moins de 20 millions, le ça yo doko stérile. Donc le que ou gagne ou en infertilité gagne médicaments que ou ka ba ou pour capable booster spermatozoïdes yo en fonction de raison que faire. Donc pas rentré là Marie lui même le que li mande médecin qui ça ka fait ça médecin dit bon li fait avec anomalie hein il ta supposé mettre cathéter pour lui etc. Donc on paquet depuis le Marie vient avec résultat nous dit chérie non nous pas recevoir ça. Nous ne pouvons pas recevoir l'infertilité. Nous ne pouvons pas recevoir le café petit. Parce que c'est bon Dieu qu'on a petit. Et puis, pasteur Rafa nous fait la foi. Nous fait bon Dieu confiance. Nous accordons avec papa, nous, pasteur Amel. Parce qu'il y a appris nous pour nous faire bon Dieu confiance. Le pour moi enceinte, pasteur Raphaël, c'est un mystère, je vais dire. Moi enceinte, je ne connais pas moi enceinte. C'est dormi. Moi un petit tonton tout coûte tout l'aide qui va être devant me dit petite nan vente moi pour moi me dit oh petite nan vente moi pour vous me dit non me dit petite nan vente moi petit Jésus
dit peut-être petit pasteur Amel parce que il a prié en pile, il mène en pile combat pour bon Dieu mon petit là. Et puis me réveiller. Il dit ouh, dit chérie, femme faut test de grossesse. Mal fait test de grossesse, m'enceinte. Sans que me batte même qu'on est. Donc là nous continuons à mener combat dans moment grossesse. C'est combat sur combat, combat sur combat. Et puis, quand même pas, j'aime dépasser 3 mois. Première grossesse, c'était toujours œuf clair. L'homme vient gagner une grossesse. Toujours, on voit dans les oreilles, on a résonné. Ah, œuf clair. Moi, j'ai besoin de goût, mais moi, je viens faire intéresser tout là. Je vais gagner un avatou. Mais je fais la foi, je continue à mener le combat. Et puis, un jour, pendant mon travail, je dormi. Moi ouais que c'est Marie qui vient pour entrer en rapport sexuel avec moi. Mais généralement pendant grossesse là dans début, à chaque fois moi que yon moun vini pour entrer en rapport avec pendant dormi, li pa prend visage Marie, moi mené combat moi-même résister. Mais fois ça, li prend visage Marie moi. Moi ouais que par faiblesse pour Marie moi accepté. Et puis pour me dire pasteur Raphaël, moi réveillé bon 2h du matin. Avec toute sensation, on dit le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et puis je me sentis mouillé. Et puis pendant que j'allais dans la douche, je me prends un papier, je me passe, on voit poule, caillou de sang. Même côté, il y a tout le sang qui vide sur moi. Le sang, j'ai gagné 2 mois. 2 mois de grossesse. Moi, je dis non. Avec Jésus, je vais prendre une fausse couche. Dis avortement ça me récit pas pour recevoir. Dis premièrement quand Jésus-Christ pas livré moi. Ça me sûre et certaine. Dis deuxièmement papa me pasteur Amel pas si une fausse couche pour moi. Et me dit troisièmement m'accorder moi à 100% avec papa me pasteur Amel la fleur. Fausse couche ça me pas prendre. Mon fin fait déclaration pasteur Raphaël. Moi aller me lire 7 psaumes de combat chez papa ma pasteur Amel apprendre nous. Et puis me la prière coucher me dorme même dans travail parce que c'est dans l'hôpital là moi yo bam logement moi fini me réveiller mal baigné me dit me pas mettre rien m'a descendre pour m'aller travailler parce que nous à l'étage me dit me pas mettre rien me pas connais me sang me dit m'a rester normalement parce que me connais Jésus-Christ pas livré et bien pour me dire même jour sans camper sec. Et puis, les deux, toujours la prière avec moi. Pasteur Amel, toujours mené combat avec moi. Je fais 2 mois, je fais 3 mois. Je vais à l'hôpital, je vais te que bébé qui bat au nom de Jésus. Bébé là. Nous faisons 3 mois, nous faisons 4 mois, 5, 6, 7. À partir de 7 mois, je viens de gagner un col utérus sans capouvrir. Je vais aller au médecin, le médecin dit que c'est l'âge en urgence. Et puis, j'aimerais le papa, pasteur Amel. Il dit, nous ne pas écarter rien. Parce que bon Dieu m'était médecin. Moi-même, moi médecin, pour me dire, pasteur Raphaël, c'est sous bon Dieu seulement m'appuyer. Sous bon Dieu seulement. Et puis, papa, pasteur Amel, bon feu vert, moi fait cerclage. Je fais 2 mois à l'été. 2 mois, je suis chambre chita. Seulement couché. Le fait chita bon pas même chita pour appuyer c'est le que me prendre rendez-vous médecin yo pote me mettre dans machine pote me mettre sous chaise roulante entre en box médecin etc. Donc et puis le Seigneur fait grâce moi accouché par section césarienne en pied et bébé fait en bonne santé li ke réflexe li yo qui normal li mange bien. Toute fonction vitale lui fonctionnait très bien et avec Jésus. Mais là, pour mon beau garçon, par la grâce de Dieu, et je dis de cœur reconnaissant, je lui dis bon Dieu merci. Et je lui dis papa, mon pasteur Amel la fleur, merci, merci, merci. Message moi après-midi, c'est surtout pour toute femme qui a traversé des moments difficiles dans le domaine pour ta enfanté. N'a dit au premièrement fais bon Dieu confiance. Pas douter, pas douter, pas douter.
Parce qu'automatiquement, douter, c'est dire ou dire bon Dieu incapable. Et depuis que bon Dieu vous mettez dans le rang des incapables, et jusqu'à l'école tout doucement. Donc, fais bon Dieu confiance. Parce que lui-même encore, il te dit, c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle croyait en celui qui avait fait la promesse. Hébreux 11. Donc, fais bon Dieu confiance. Coller sous Jésus-Christ parce que c'est Jésus qu'on va épitite. Et bon Dieu, la fidélité, il n'est pas abandonné. Je vais ajouter un bagage qui est très important que moi et que madame moi pat gien chance rappel pour le désir et moi non pas ta passer out de lui-même. Moi c'est Esaïe Sogo Sanchez, moi c'est ingénieur et m'a travaille comme ingénieur superviseur pour Capital SA. Et me senti c'est une réjouissance extrême pour moi pour nous venir bailler bon Dieu gloire pour belle merveille ça. Pour boule merveille ça que Libanon en de famille là. Et madame moi t'ai gien difficulté pour te wè règle. Après les nous fin parler avec papa nous pasteur Amel Lafleur. Il était conseiller nous et l'esprit de Dieu t'ai ordonné nous pour nous te suspendre à l'école docteur. Yon façon pour nous pas croire que c'est médecin qui pral fèl ça qui fait là ça non ouais jodi hein. Pendant 4 mois ça madame moi fait que non pas ni al kay docteur madame moi pas jamais moi régli et puis le 29 décembre dans la soirée l'esprit de Dieu bon un message à travers un songe lui montrer que c'est papa non qui débarqué la kay là ensemble avec toute équipe li pour venir intercéder. Il vient intercéder la prière. Dans le même matin, il me lever dans son jambe, m'a expliqué madame moi son jambe, dit madame moi, mais on songe que moi fait. Et puis madame moi aller dans toilette, c'est elle y aller dans toilette et dans moment elle a remarqué que les gagne règle venir sous lui après 4 mois. Et puis me dit chérie, ça n'est pas simple. Parce que ça c'est que bon Dieu gagne seul sous lui. Et puis de là étant nous pas de connaître que papa t'a pas débarqué la caïnon et puis pasteur Amel relé nous il dit non que l'a vinn la caïnon. Ça veut dire une semaine après songe là Jean que l'esprit de Dieu t'a montré nous pasteur Amel débarqué avec équipe li plus qu'une vingtaine d'ouvriers il vinn la prière la caïnon. Et puis c'est dans même mois ça tout grossesse là tombé. Moi même que yo t'ai dit que qui infertile. Moi-même que j'ai dit que m'te gon veine qui dilatée que m'pap ka fait petite mais l'esprit de Dieu ba non yon boule merveille li ba non petite ça. Si m'ta gon message pour m'ta ajouter avec chaque grain monde k'ap koute nou ki gen chance pour koute nou jodi an m'a dire si toutefois nou gen yon fille bon côté nou nou ta wè que bon Dieu pa ta ko entendre parce que si nou wè bon Dieu pou ko rendre fi ça enfanté ou bien ba non yon petite nan famille là c'est que li gon raison pour ça. C'est ça que me te konn toujours di madame moi, c'est encourager yo, aider yo et puis faire bon Dieu confiance parce que en dans bon Dieu gen petite, en dans rocher a gen petite, en dans la croix de Christ gen petite. C'est ça que me t'a